Even beat the boys. I am so kickity kicky, rickety ricky, shickety shaky, and makeity makey. Yeah, I might be nuts, but I got the guts to fight dangers before they get me. Makes my soul feel free. J'ai toujours joué un peu le piano depuis petite et après les parents étaient chrétiens, on jouait, c'était un peu l'éducation musicale aussi dans l'église un peu. Et après j'ai pris des cours de chant chez une chanteuse jazz et c'était aussi elle qui m'a poussé à faire une école de jazz. La première fois que la chanteuse avec qui j'ai pris des cours, elle m'a introduit à l'impro, j'étais tout à coup pris par ça. Alors j'aime beaucoup la liberté de juste travailler avec des sons, de chercher d'être n'importe où. Et en fait, ce que je fais, le projet OI, c'est en fait un des projets les plus pop que j'ai depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est une carrière solo, si je vais continuer comme ça. Mais en fait, j'avais déjà, en 2000, pendant l'école, j'avais déjà fait une fois un petit projet solo. Et j'avais toujours déjà 17 ans, j'avais acheté un sampler, essayé des trucs avec des sons, la voix et tout. Et c'était toujours un désir, un peu. Une envie de faire quelque chose en solo. Et des fois, je n'ai pas osé. Après, il y avait d'autres collaborations. Et enfin, je me suis dit non, je veux savoir ce qui vient juste moi. Voilà, je l'ai fait. Vous voyez que je ne suis pas venue toute seule. Je vais vite vous présenter mon groupe, les petits. Voilà, to my left, it's Jimmy. Hey, my name is Jimmy. I hope you're all fine and have fun tonight, yeah? Au début, quand je me suis dit je vais composer quelque chose, je ne savais pas encore si ça allait vraiment être seulement moi sur scène et aussi surtout moi dans la musique. Mais après, j'ai fait des petits sketchs et j'avais aussi après beaucoup d'années de beaucoup d'informations au niveau technique de la musique. J'avais envie de faire juste ce que venait toute seule. Et c'était beaucoup d'ambiance un peu ludique, un peu poétique, mais qui m'ont fait penser à l'enfance. Et après, j'ai cherché une manière de tout mettre sur une cloche ou dans le même univers. Et après, cette idée m'est venue de travailler avec des mémoires d'enfance, de prendre vraiment un thème. Et j'ai demandé des amis de me donner leur mémoire aussi. Quiet, I gotta be. Quiet, I gotta be. Quiet, 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 I gotta be. Quiet.